Le rendez-vous de l'actualité sportive, c'est sur NCI. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de NCI Sport. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Une heure, eh bien, c'est le temps que nous avons pour passer en revue l'essentiel de l'actualité sportive de la semaine. Gros programme comme tous les lundis soirs. Eh bien, on va découvrir ensemble le sommaire complet de ce numéro de NCI Sport. Ce lundi dans NCI Sport, Jean-Marc Yassé s'est confié à nous. Le président de la Fédération de Taekwondo fait le point de la saison. Le tour cycliste de l'Est, vécu de l'intérieur, a pris fin il y a une semaine. NCI Sport vous fait vivre cette compétition majeure comme si vous y étiez. Les clubs ivoiriens sommés de se conformer aux exigences de la Confédération africaine de football. Pourquoi et quelles sont ces exigences? Les détails dans cette émission. Le président de la FIFA, Idriss Diallo, a annoncé la fin des tests chez les éléphants. Qu'est-ce que cela signifie? L'éclairage de nos consultants dans un instant. Vous l'avez vu, hein, donc gros programme en perspective. Et pour en parler, bien, deux consultants qui vont nous éclairer un petit peu sur certains sujets. Bonsoir Patrick Guité. Bonsoir Dia. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Mais un week-end mouvementé avec quelques zones de turbulence, mais on est là pour parler du sport. Bon, mais très bien. Et on est content de vous avoir sur le plateau, Patrick Guité. Bonsoir, Babou Eric. Bonsoir, Tia. Comment ça va? Je vais très bien. Et vous? Bah oui, écoutez, hein, ça va, on se plaint pas. Alors, Patrick Guité, bon, on va en parler hein, tout à l'heure dans NCI Sport News, mais c'est vrai qu'il y a eu l'apothéose quand même hein, du championnat national de basketball qui a vu la victoire hein, de l'ABC, ABC Fighters. Oui. Un petit mot, comment ça s'est passé? Ah, très bien, très beau spectacle comme d'habitude au Palais des Sports avec deux belle finale champions. Des playoffs. Hein. Absolument. Les filles nous ont tirés jusqu'à la belle. Donc c'est FBA eh bien, qui s'est illustré. Donc ils deviennent nouvelle reine donc, du basketball féminin ivoirien. Et puis l'ABC qui est aussi son back-to-back, qui réussit à se succéder à lui-même. Donc deux belles finales, d'une grosse fête au Palais des Sports et puis le basket a gagné. Voilà, et c'est ce qu'on va retenir. Très bien, allez, on y va avec la première séquence de la soirée. Il s'agit de l'entretien. Entretien ce soir avec la capitaine de la sélection nationale de rugby féminin. Elle a accepté de nous parler. Elle est en direct de Bakou, en Azerbaïdjan. Bonsoir Andrea. Bonsoir Thierry, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah ben je vous entends très très bien. Voilà, alors vous êtes... Ok, ben c'est parfait. Voilà, Andrea Dirabou, donc vous êtes en Azerbaïdjan. Hein, donc il est quelle heure là-bas, dites-moi. Il est 12h30, vous me faites veiller là. Bon ben c'est pas grave, c'est pour le plaisir de tous les téléspectateurs de NCI Sport, tous les Ivoiriens qui sont contents de vous avoir ce soir. Alors, Andrea, quel bilan dressez-vous hein, de votre saison avec votre club? Alors, bah, c'est un bilan très positif, tout simplement parce que l'année dernière, on était en train de jouer un maintien. Et cette année, on a perdu aux portes des quarts de finale. Donc, c'est pas rien, c'est une grosse progression. Et je pense que c'est justement quelque chose qui est positif pour la suite. Donc, en plus, on n'a aucun départ de l'équipe. On est une équipe qui se sent bien, qui commence à se connaître. Donc, j'espère vraiment que l'année prochaine, on sera sur le tableau des phases finales. Et est-ce que vous pensez que collectivement, l'équipe a progressé ou pas? Bien sûr, c'est ce que je disais, hein, passer de jouer un maintien à jouer des quarts de finale ou au port des quarts de finale, ça montre bien qu'il y a eu un gros travail de réaliser par les coachs et qu'on est sur la bonne voie. Alors, cette saison, Andrea, vous avez joué une quinzaine de matchs. Est-ce que vous êtes satisfaite à titre personnel? Oui, je suis satisfaite, sachant qu'effectivement, j'ai été titulaire sur pratiquement tous les matchs. Ça prouve la confiance que les coachs mettent en moi. C'est une confiance que j'assume pleinement, que voilà, je prends sur mes épaules ce rôle de leader dans le jeu au quotidien. Donc, je suis assez satisfaite. Alors, parlez-nous un petit peu du championnat français, hein, du championnat de rugby féminin en France. Est-ce qu'il y a d'autres Ivoiriennes? Comment ça se passe là-bas?
Oui, il y a d'autres Ivoiriennes. Bon, je vous avoue que moi, je suis du genre à rentrer sur le terrain, faire mon match et en sortir limite en oubliant les visages. Mais oui, il y en a d'autres. Il y a Adeline qui a rejoint aussi le groupe de rugby à 7. Je pense que la fédération fait le travail pour recruter le maximum de joueuses pour renforcer justement l'équipe. Alors justement, hein, Andréa, on va parler de la sélection, puisque vous êtes la capitaine de la sélection nationale féminine. Comment se portent les éléphantes? Elles se portent très bien en ce moment, elles sont en train de se préparer. Bon, il y a du rugby à 7 et du rugby à 15. Donc l'équipe retenue pour le rugby à 7 est en train de se préparer pour essayer de se qualifier pour les JO à venir. Donc elles se portent très bien. J'ai pris des nouvelles, elles sont au taquet. D'accord. Bon, comment vous la considérez, notre équipe nationale? Est-ce que vous la considérez, pardon, comme une équipe compétitive? Est-ce qu'il y a encore du travail? Faites-nous un petit peu le point quand même de la situation, Andréa. Bon, ce serait d'une arrogance folle de dire qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, je pense qu'on a toujours quelque chose à faire, même quand on est au plus haut niveau. Maintenant, bien sûr qu'on est compétitive. On a vu l'année dernière, par exemple, on a été l'équipe féminine donc dans le monde qui a réalisé la meilleure progression. Donc, ça prouve que aussi il y a du travail derrière, que les coachs, que le staff, que la fédération aussi prend conscience qu'il faut investir dans les filles. Cette compétition au Cameroun a vraiment été marquante pour les filles, hein, et je pense que même elles ont gagné aussi en confiance et sont, comment dire, commencent à être conscientes qu'on peut faire des choses. D'accord. Alors justement, hein, ces choses, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les objectifs avec la sélection? Clairement, c'est gagner le prochain tour, être championne d'Afrique. Oh! Et oui. Vous pensez que c'est réalisable ou pas? Franchement, je pense que c'est réalisable. On a déjà surpris plus d'une. Bon, malheureusement, maintenant, je pense que les joueuses se méfient, mais je pense que c'est réalisable. Bon, ben super. Alors, André, il y a une question, hein, vraiment que tout le monde se pose. En préparant cette émission, que ce soit au niveau de la rédaction, hein, de NCI Sport, que ce soit les personnes qui nous entourent, ont tous eu à poser cette question. Est-ce que le rugby féminin paye bien? C'est difficile de répondre parce que ça dépend du profil, ça dépend de tellement de facteurs, mais je vais dire que globalement, c'est pas un sport qui nourrit son homme globalement. Mais il y a des joueuses qui ont certains, ça dépend aussi du pays, hein. Vous prenez l'Angleterre, ce sont des filles qui gagnent très bien leur vie. Mais en Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est sûr que non. Et en France, ça dépend. Il y a des joueuses qui ont des contrats avec la fédération, mais ça reste... c'est pas le rugby directement. Par contre, nous, ce que notre club fait, c'est d'ailleurs l'un des seuls clubs, je pense que c'est le seul à le faire, c'est de proposer des contrats directement aux joueuses, donc des contrats de travail liés au rugby, et c'est le seul club qui fonctionne comme ça. D'accord. Alors, bon, on sait qu'il est tard, hein, en Azerbaïdjan, donc dernière question, et je pense que c'est extrêmement important d'en parler. Vous êtes une ambassadrice, hein, dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Expliquez-nous en quoi est-ce que le rugby peut aider justement dans ce combat. Oui, effectivement, je suis ambassadrice de l'ONG Bloom pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et c'est vrai que les gens doivent se dire le rugby c'est violent, et puis en même temps on veut lutter contre les violences, il n'y a pas de logique. Mais en réalité, c'est un sport qui va permettre aux femmes de s'exprimer. Au rugby, si on ne parle pas, donc si on ne s'exprime pas, si on ne se défend pas, on est mort. Donc là, déjà, ça permet de s'exprimer, et en s'exprimant, ça permet de gagner en confiance. Et cette confiance, cet apprentissage d'extérioriser permet dans la vie de tous les jours de gérer certaines situations différemment. Et est-ce que c'est l'objet justement de votre séjour à Bakou?
Alors, à Bakou, c'est une conférence internationale des ministres et des hauts fonctionnaires du sport. Et effectivement, l'idée, c'est de parler de la promotion du sport auprès des femmes, parler de l'égalité aussi hommes-femmes. Donc, c'est toute une réflexion autour de comment amener les femmes à faire un maximum de sport et puis dans quelle mesure le sport peut transformer une personnalité, donner des compétences douces, on va dire parler des compétences non techniques pour justement s'épanouir dans la vie et pouvoir oser agir, entreprendre, etc., etc. Eh bien, super. Vous êtes une très, très belle ambassadrice, Andrea. Et vraiment, on est content. Hein, Excusez-moi, pour dire que le 22 juillet, justement, j'organise une journée qui s'appelle Tout au rugby pour permettre aux femmes de découvrir ce sport. Eh bien, on espère en tout cas avoir la chance d'y être. Voilà, on voit les images qui passent pendant qu'on est en train de parler. Donc, le 22 juillet. Et ça va se passer où, ici, en Côte d'Ivoire? Oui, au lycée classique d'Abidjan, d'accord, à partir de 12h30. Et vous êtes invité, d'ailleurs. Ah, ben, très bien. Donc, j'y serai, avec grand plaisir. Voilà, tout au rugby. Okay. Eh bien, super. Merci beaucoup, André. On a passé un très beau moment avec vous. On vous laisse aller vous reposer, hein, parce qu'il est quand même très tard là-bas. Et on est super contents de vous avoir eu. Allez, votre mot de la fin pour tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes aussi qui vous regardent ce soir. Ben, le mot de la fin, c'est profitez de la vie, amusez-vous et je vous souhaite aussi bonne nuit. Eh bien voilà, merci beaucoup Andrea, à très très merci. Bientôt. À bientôt. Bye bye. Eh bien voilà, oh, elle est sympa Andrea. Hein? Ah oui, je la connais un tout petit peu également, pleine de vie, très engagée dans le rugby mais également dans la lutte pour, contre les violences faites aux femmes. Mm-hmm. Oui. Et vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, j'ai beaucoup aimé. Ouais. On sent que elle est déterminée. C'est exactement ce qu'elle veut. Elle va apporter beaucoup aux jeunes filles ivoiriennes. Mm-hmm. Et voilà, c'est un très très bel exemple à suivre, hein, Andrea Dirabou. Donc, je rappelle qu'elle est capitaine de la sélection nationale de rugby féminin. Voilà. Allez, eh bien écoutez, on va passer du rugby au football, puisque rien ne sera plus comme avant, hein, dans le football ivoirien. Les clubs sont invités à emprunter le chemin du professionnalisme. Les explications de Stach Niaba et Moon. Plus rien ne sera comme avant pour les clubs ivoiriens. La semaine dernière, la direction exécutive de la Fédération ivoirienne de football a entrepris une série de réunions d'information. Au menu des échanges, la professionnalisation des clubs. À partir de la saison 2023-2024, la Confédération africaine de football imposera une licence à tous les clubs membres de ses associations. Cette nouvelle exigence vise à promouvoir le développement et la professionnalisation du football africain. Après avoir échangé avec les représentants des clubs, le directeur exécutif de la FIF, Armand Gourou, était face aux médias vendredi. Il leur a détaillé les nouvelles exigences de la CAF. Depuis 2012, la CAF a mis en place un dispositif pour la professionnalisation des clubs. Malheureusement, pour des raisons que je ne pourrais évoquer parce que n'étant pas aux affaires à cette époque, plusieurs des fédérations ont réussi à mettre cela en œuvre. Ce n'a pas été le cas véritablement pour plusieurs autres fédérations. Et donc, dès notre prise de fonction, le président Yacine Diss Diarra nous instruit de mettre tout en œuvre pour passer à une véritable professionnalisation du football ivoirien, mais surtout des clubs. Pour le directeur exécutif de la FIF, c'est un nouveau virage qu'amorce le football ivoirien. C'est un virage irréversible pour le football ivoirien. Il faut aller de l'avant. Il faut professionnaliser les clubs. Il faut développer le football ivoirien. Il faut prendre de l'avant. Il faut mettre le football ivoirien au niveau des standards mondiaux. Celui qui n'est pas sérieux, celui qui ne veut pas organiser son club, ne fera plus partie de l'environnement du football ivoirien. Alors, quelles sont les recommandations de la CAF censées conduire les clubs ivoiriens et africains à la professionnalisation? La CAF a décidé que pour tout club
tu dois participer à une compétition, il faut que ce club ait une licence. Donc on parle désormais de licence club, qui est un document qui est délivré exclusivement par la Confédération africaine de football. Ces exigences se retrouvent dans 5 points, on appelle les 5 critères. Ces 5 critères sont non négociables pour ceux qui vont jouer les compétitions africaines. Il faut avoir en son sein un programme de formation des jeunes. Tu dois avoir une équipe féminine. Il faut avoir au minimum 2 catégories de jeunes dans ton club pour jouer une compétition africaine. Il faut avoir une première catégorie de 10 à 14 ans, une deuxième catégorie de 14 à 21 ans au minimum. Et puis l'équipe première. Tous les clubs doivent avoir des stades officiels de compétition. Si c'est ta propriété, ce stade va être homologué et tu vas recevoir tes matchs là-bas. Si ce n'est pas ta propriété, en ce moment, il faudra faire un contrat avec le propriétaire du stade. Tous les clubs devront avoir des infrastructures d'entraînement homologuées. Tous les clubs doivent avoir des sièges. Il est inadmissible que des clubs soient dans des domiciles, dans des salons. Il est inadmissible de voir des clubs qui ont pour siège des véhicules, des cyber. Tout club doit avoir un programme de suivi médical de ses joueurs. Il doit avoir chaque année un rapport médical sur tes joueurs. Tous les secrétaires de Ligue 1 doivent avoir des contrats écrits, des contrats de travail. Tu es un club de Ligue 1, tu dois avoir un médecin, tu dois avoir un kiné, tu dois avoir un entraîneur principal, titulaire de la licence A minimum fédérale ou A CAF. Ton adjoint, il doit être titulaire de la licence A ou A CAF. Il n'y a plus de mercenariat à ce niveau. Il y a un catalogue de sanctions qui est prévu par la CAF pour toutes les fédérations qui n'ont pas mis ça en application. Rendez-vous dans les jours, les mois et les années à venir pour nous rendre compte que les clubs ivoiriens sont effectivement sur la route du professionnalisme. Alors, messieurs, eh bien, on va en parler justement de ces nouveaux critères. Enfin, nouveaux. Non, ils ne sont pas si nouveaux que ça. Justement, on va y arriver. Donc, de ces critères, justement, Babou Eric. On les a entendus, énoncés par M. Gourou. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je suis moi-même surpris qu'on découvre que le football, c'est un sport professionnel. Il a dit, depuis 2012, c'est des choses qui devaient être, en tout cas, au moins mises en branle. Mm-hmm. Et là, on découvre que le football est professionnel aujourd'hui et qu'il faut mettre les structures, les moyens pour pouvoir avancer. C'est surprenant pour ces dirigeants qui sont là depuis un moment. Tu savais exactement comment l'évolution du football est en train de se faire. Et là, aujourd'hui, il faut mettre la chicotte pour que cela soit appliqué. C'est surprenant, mais bon, il faut qu'on y aille, parce que c'est nécessaire, c'est indispensable. Et j'espère que... Vous trouvez que c'est une bonne initiative ou pas ? C'est évidemment, parce que l'idée, c'est de professionnaliser le football. C'est ce qu'on a dit, et c'est nécessaire, c'est même très important. Oui. Il ne faut pas qu'on rechigne, il faut qu'on y aille, franchement. Et j'espère que la fédération sera exigeante et vigilante, parce qu'il faut qu'on y arrive. Mm-hmm. Patrick Guité. Oui, c'est très important. Il a dit, c'est une très bonne nouvelle que la fédération décide maintenant de sommer les clubs à se professionnaliser. On somme les clubs, puisque depuis 2012, eh bien, ces règles-là existent. C'est vrai que certains présidents de clubs veulent accuser la fédération, mais eux-mêmes sont coupables parce que ce sont eux-mêmes qui prennent en otage les présidents de fédération. Parce qu'à chaque assemblée générale, eh bien, les présidents de fédération ont toujours dit mais la CAF nous demande de respecter telle ou telle règle. Et les présidents de clubs qui ne sont jamais prêts et qui n'ont jamais été prêts ont toujours dit oh, président, c'est vrai, mais c'est compliqué, c'est difficile, il faut mettre à demain, à plus tard, mais l'application de ces règles-là. Aujourd'hui, la CAF dit, tant que vous ne respectez pas ça,
tant que vous n'avez pas la licence CAF, vous ne pouvez pas participer aux compétitions de la Confédération africaine de football, ni même à votre championnat, mm-hmm. parce que même si vous participez à votre championnat, vous êtes susceptible d'être champion et donc d'aller participer au championnat interclub. Donc vous devez respecter ces règles. Maintenant, là où ça va coincer, ou là où tout le monde attend de voir, eh bien, c'est dans l'application de cela. Parce que M. Gourou a indiqué qu'à la fin du mois, là, le 30 oui. juin, là, il faut régulariser tous les clubs. Il a dit que 90% des clubs de la Ligue professionnelle avaient régularisé leur situation. Mm-hmm. Bon, j'avais posé la question de savoir dans quelle proportion par rapport donc, aux différentes ligues, mais il n'a pas voulu répondre. Donc, il reste 10% de clubs qui n'ont pas régularisé leur situation. On a besoin de savoir lesquels, mais en tout cas, nous attendons de voir donc, l'application de ces oui. mesures-là. On peut le dire, il nous a donné l'impression d'être déterminé. Oui. C'est déjà une bonne chose. Mm-hmm. Et derrière, je pense que le président de la fédération va pousser pour que ça se fasse. Effectivement, on espère que cette détermination-là sera effective. Mm-hmm. Parce qu'il faut qu'on avance, il faut qu'on bouge. Le football mm-hmm. ivoirien ne peut pas rester dans cette situation-là. Oui, mais il y a quand même une question hein, qui nous dérange, qu'on a tendance à se poser. Hein, quand on entend que depuis 2012, ce sont des critères qui auraient dû être mis en place. Comment expliquer le fait que ça n'a pas été fait depuis 2012 ? C'est pour ça qu'on sourit tous. Parce qu'effectivement, depuis 2012, vous voyez le temps que ça fait. JT a donné un élément de réponse tout à l'heure. Oui. Hein. C'est effectivement, on va dire... Des arrangements. Des arrangements, du copinage, voilà. Et c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Il faut que ça change, il faut qu'on évolue. Mm-hmm. On espère que la sommation, parce que c'est comme ça qu'on doit le prendre, hein, de la CAF, va obliger la fédération à obliger aussi les clubs mm-hmm. à se mettre à jour. Mm-hmm. Je pense que c'est dommage qu'on arrive à cette sommation-là, mm-hmm. qu'on arrive à cette pression-là. Parce que depuis 2012, écoutez, si quelqu'un prenait l'image de la SEC Mimosa, on n'a pas besoin de chicoter la SEC pour que la SEC mette les conditions de sa réussite. Et vous voyez les résultats. Voilà, je pense que si les intentions étaient de vraiment réussir, d'avancer, de progresser, spontanément, c'est des choses qui allaient se faire. Mais quand on voit les résultats de la SEC, on voit les autres clubs, immédiatement, on sent que ces dirigeants-là n'avaient pas cette vision, n'avaient pas envie d'avancer. Mm-hmm. Et là, aujourd'hui, ils seront contraints. D'accord. Alors, donc selon le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, ces exigences de la CAF doivent être appliquées à partir de la saison prochaine, à savoir le 17 août. Bon, on voit que c'est tout près, hein, on y est quasiment. Ouais. 17 juillet, alors c'est encore pire. 17 juillet, est-ce que vous pensez que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Déjà, il faut regarder toutes les exigences. Hein. Donc, on demande à un club d'être professionnel, d'avoir des acteurs, donc des agents payés. Alors, je les ai bien recensés, les cinq points. Attendez. Absolument. Avoir une équipe féminine, avoir une équipe jeune, donc deux catégories d'équipes jeunes, oui. avoir un terrain et un siège homologué, avoir donc un médecin et un kiné. D'autres qu'on n'a pas entendus dans le reportage, donc payer les joueurs par virement bancaire oui. et puis déclarer les salariés auprès de la CNPS. Voilà. Voilà. Bon, je pense qu'il y aura des arrangements, puisque Amand Gourou l'a déjà indiqué, hein, pour des clubs qui n'ont pas de section féminine, mm-hmm. aller. Bon, c'est ce que la CAF indique également, hein, que même si vous n'avez pas de section féminine, vous avez la possibilité de vous entendre avec un club de football féminin, tout simplement, pour avoir une convention, un accord. Pour représenter ce club, en tout cas pour figurer dans les papiers du dit club. Donc, c'est-à-dire que l'AS Dengele d'Odiene, par exemple, qui n'a pas de club de football féminin, peut aller voir la Juventus de Yopougon pour dire « ben tu deviens mon club féminin ». Tout en gardant votre patronyme. Bon, c'est un peu compliqué là également. Moi, personnellement, oui. je ne souhaite même pas qu'on pose la question. Oui. Non. Non, je ne veux même pas qu'on se pose la question de savoir si c'est possible ou pas. Ils vont le ça faire, donne ils doivent déjà le faire. La possibilité à certains de... Mais il y a de l'arrangement de toutes les façons. Non. Parce qu'au niveau des terrains d'entraînement, il n'y en a pas beaucoup qui ont des terrains d'entraînement, donc il va falloir s'arranger avec certaines personnes. Moi, je ne considère pas ça terrains. Comme des arrangements. Ne parlez pas tous les deux en même temps. Oui, au niveau également des salaires, il faut payer au moins les 160, les 150, ça, 150 000. Il faut déclarer ces joueurs-là à la CNPS. Il faut les payer par virement. Et si jamais il y a un joueur qui se plaint du non-paiement de son salaire et que cela a avéré, eh bien, le club sera radié. Bon, ça, je veux bien voir comment
comment est-ce que ça va se passer. Mais en tout cas, ce sont de bonnes et belles résolutions. Hein. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est dans l'application qu'on a envie de voir comment ça va se passer sur le terrain. Oui, c'est justement dans l'application, je dis, faut pas commencer à émettre des doutes ou bien donner des portes de sortie à Pierre ou Paul. Non, c'est décidé, il faut que ça se fasse. Il n'y a rien à dire. Maintenant, tout ce que tu as cité derrière, ce n'est pas des arrangements. Je pense que c'est la suite logique. Voilà. Il faut payer les joueurs par virement. Non, il faut que ce soit effectif. En fait, je parlais de terrain, des oui, mais même, de football, même, tout ça. Même dans ce cas de figure, même dans ce cas de figure, là, vous n'avez pas de terrain, mais vous vous approchez de quelqu'un qui a un terrain ou bien d'une ville, je ne sais pas, et vous signez un document officiel qui dit que c'est vous qui êtes le propriétaire. En tout cas, vous l'utilisez. Voilà, ce n'est pas un arrangement, c'est ce qu'on demande. Il faut que ce soit très, très exigeant que les choses avancent. Si on commence dans les arrangements, on va retourner à 2012. Hein. Donc, clairement, il n'y a pas d'arrangement à faire, il ne faut pas mettre de doute, il faut que ça se fasse. D'accord, très bien. Bon, on n'a pas fini d'en parler, hein, justement, puisqu'on vous a donné la parole hein, concernant donc, ces nouvelles, j'allais dire ces nouvelles résolutions, non, enfin, en tout cas ces nouveaux critères hein, à respecter. On va en parler juste après la pub, donc restez avec nous, on revient dans un instant. Deuxième partie hein, de ce numéro de NCI Sport. Merci d'être avec nous et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Eh bien oui, ce soir, beaucoup de sujets hein, à aborder et on va continuer justement avec les nouvelles exigences, les exigences de la Confédération africaine. Bah oui, puisqu'elles sont là depuis 2012. Et justement, bah, on vous pose également la même question. Hein. Est-ce que vous pensez que ces nouvelles règles sont applicables dès la saison prochaine? Vos réponses dans FaceCam avec Marco Seri. Chanaro est bienvenu parce que nos joueurs pourront véritablement vivre de leur art, mais nous n'aurons que 5 à 6 clubs en Côte d'Ivoire qui pourront respecter cela. Comment va se passer ce championnat? Un championnat à 5 clubs? Est-ce un championnat? Question à vous tous sur le plateau. La Fédération du football africain a décidé là. C'est bon. C'est ce qu'on veut. Parce que les joueurs, le championnat ivoirien, franchement, il n'y a pas le niveau. Parce que nous, on les en veut pas. Ceux qui connaissent pas, ils vont dire non, ils sont pas bons. C'est quoi. Mais les joueurs, moi, ils foutent tout. Plakali, Garba, ils vont être politiques comment? Ils vont jouer quel bon ballon. Au moins, ça, les conditions, quand ils sont bien payés, ils sont à l'aise. Vous allez voir tout de suite que les joueurs vont se donner à fond et le championnat va prendre un peu. Donc, ils doivent faire plus encore même. Voilà. Donc, c'est bon, c'est bon. Ils doivent mettre la pression sur les présidents du club, là. C'est les malots. Je trouve la décision de la Fédération ivoirienne de football salutaire. Et je suis très fier de la fédération aujourd'hui. Après cette décision, qu'ils suivent aussi. Ils n'ont qu'à suivre aussi à la lettre pour que ça soit respecté. Ces critères-là sont les bienvenus parce que cela va permettre la professionnalisation de notre championnat et de nos différentes équipes. Voilà, il fallait commencer par cela. Voilà, il fallait d'abord professionnaliser d'abord les équipes avant que nos championnats soient professionnels. Moi, je suis d'accord avec cet esprit voilà, qui va redonner une autre image à notre championnat parce qu'il y a beaucoup de légèreté. Figurez-vous, il y a certains clubs qui n'existent que de noms, qui n'ont ni siège. Vraiment, ces décisions-là viendront mettre fin à ce désordre qui existe dans notre football. Merci, merci à NCI. Bon, mais ça ne s'annonce pas très facile, hein, cette histoire. On verra bien, on verra bien. Oui, vous aviez quelque chose à rajouter concernant ces nouvelles exigences ou pas? Oui, moi, personnellement, je voulais... Ah ouais, vas-y. C'est un sujet qui nous intéresse tellement parce que il y va du bien-être des athlètes. Hein. Moi, personnellement, je pense que ça va changer la donne. Ça va permettre à nos athlètes de vivre mieux, dans de meilleures conditions et surtout d'être sûrs d'être payé. Parce que c'est ça le souci. Voilà, peu importe les montants, mais au moins, il faut les avoir. Et là, déjà, ça va peut-être régler ce problème-là. Et donc, pour moi, c'est très important. Et je serai très regardant, je pense qu'on le sera tous, hein, sur le sérieux de cette fédération à effectivement appliquer ces recommandations. Voilà, il ne faudra pas biaiser cette fois-ci, il ne faudra pas laisser des portes de sortie à certains dirigeants, il faudra être très exigeant pour que ça se passe exactement comme la CAF le recommande. Et dites-moi, dites tout fort ce que vous disiez pendant... Vous voulez le dire ou pas? Je laisse dire. Oui, Patrick Guité, votre bon, mot de la fin. En tout cas, je suis journaliste et bien, il y a également obligation de nommer un responsable de médias. Un responsable média ou un journaliste. Et puis, j'espère que... De toute façon, la FIFA est obligée donc, de faire appliquer ces résolutions. Hein, parce que si elle ne fait pas appliquer, ben, il y a une amende de 1 000 $, je pense. Et je ne pense pas que la FIFA ait envie de jeter de l'argent par la fenêtre. Oui, comme vous insistiez tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'il y a certains clubs qui vont laisser la place
à certains grands clubs pour revenir dans l'élite. Bon, tel que l'Africa. Comprendra pas qui pourra. Ah, c'est vous qui l'avez dit, personne n'en a parlé. D'accord, très bien. Allez, on passe à la suite. Hein. La semaine a été marquée par plusieurs événements sportifs. On va faire le point dans NCI Sport News que nous proposent Armel Yao et Moon. Quelles sont les dernières actualités sportives? On fait le point dans ce numéro de NCI Sport News. Football, les Mimos réalisent le doublé. Champion de Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa a réalisé le doublé en remportant la 57e édition de la Coupe Nationale. Les Mimosas ont battu la FAD 2-0 lors de la finale disputée ce dimanche au stade Robert Champroux de Marcoury. Carlos Zouzou et Aubin Cramo ont permis aux Mimos d'être couronnés pour la 21e fois. Ils égalent le grand rival, l'Africa Sport. Pour information, c'est le 10e doublé championnat Coupe du Club Jaune et Noir. La SEC Mimosa et la FAD seront les deux représentants de la Côte d'Ivoire en compétition africaine en 2024. Rugby, le bronze pour les éléphants. La Côte d'Ivoire a terminé 3e au tournoi pré-qualificatif de rugby à 7 masculin des JO Paris 2024. Les éléphants ont battu en match de classement le Ghana 28-10 ce dimanche. Une victoire qui qualifie la Côte d'Ivoire pour le prochain tournoi de qualification. Basketball, les champions connus. Clap de fin pour la saison 2023 du championnat national de basketball. Chez les hommes, l'Abidjan Basket Club a conservé son titre de champion en dominant la Jeunesse Club d'Abidjan en finale. Chez les dames, après avoir échoué à 3 reprises, Friend Basketball Association a été sacrée cette saison. Les filles du coach Benga Lemou ont remporté la belle face à l'ABC, 51-48, après avoir gagné le match aller 64-44 et s'est incliné à la finale retour 50-59. Basketball, les éliminatoires de la zone 3 à Abidjan. D'éléphants de Côte d'Ivoire. Et on va poursuivre avec du football et plus précisément avec Idriss Diallo puisqu'il y a quelques jours, le président de la Fédération ivoirienne de football recevait les néo-éléphants, Evan Dika et Jonathan Bamba. Il leur a confié ceci, écoutons. J'ai été heureux lorsque le show m'a dit que vous souhaitiez venir me voir pour m'offrir le symbole un peu de vos tuniques respectives, vos clubs. C'est un geste qui me touche énormément. Je voudrais vous remercier. Je voudrais aussi, au nom de la Fédération ivoirienne de football, je veux dire de tous les sportifs ivoiriens, ceux qui aiment le football en Côte d'Ivoire, vous dire merci pour ce choix que vous avez fait de venir défendre les couleurs de notre pays. Vous n'étiez pas obligé de le faire. C'est une décision qui, pour tous les deux, a dû prendre un temps en termes de cheminement. Puisque vous aviez des options, vous aviez des solutions, et vous êtes aussi au top de votre carrière. Donc, un certain nombre de paramètres pour la carrière d'un joueur professionnel qui rentre en ligne de compte, vous avez accepté de le faire, je voudrais vous remercier. Et vous le faites à un moment particulièrement important. C'est le moment où la CAN est organisée dans notre pays, donc dans votre pays. Et ça va demander de votre part de la disponibilité. Ça va demander de votre part de l'engagement. Ça va demander de votre part de l'implication. Ça va demander de votre part des sacrifices. Et aujourd'hui, c'est important qu'on se le dise et qu'on se le dise franchement. Nous considérons que ce choix n'est pas un choix par dépit. C'est un choix de conviction. Donc, votre venue pour accompagner ce projet est très important. Donc, je voudrais vous dire qu'on compte sur vous. Il faut que vous soyez aussi conscient qu'il y a beaucoup de pression. Nous sommes un pays où il y a beaucoup de pression, où il y a beaucoup de passion. C'est-à-dire que quand on gagne, on est la meilleure équipe du monde. Quand on perd, on est les derniers. Mais dès lors que tu viens occuper une responsabilité publique comme la mienne ou comme celle de l'entraîneur, ou dès lors qu'on décide d'être un joueur d'une équipe nationale, on doit savoir qu'on sera soit les dieux, soit les bannis. C'est comme ça. Mais nous, on est déterminés par la foi, par la grâce, par la foi en Dieu à nous battre pour que notre pays soit au top de cette compétition. Et votre présence nous rassure. On est rassuré sur l'engagement que vous aurez dans ce groupe, dans le groupe que nous sommes en train de construire, dans le groupe qui va être
je dirais, commando qui va être mis en place de façon définitive à partir de septembre. Nous sommes convaincus que vous aurez un rôle important à jouer. Et au cours de cette rencontre, Idriss Diallo a indiqué que le match du 17 juin dernier, perdu contre la Zambie, marquait la fin de la phase test effectuée par le sélectionneur Jean-Louis Gasset, qui devra présenter en septembre prochain une équipe basée sur des critères forts, dont la bonne santé des joueurs, leur régularité en club, leur engagement et leur détermination à défendre le drapeau national. Alors messieurs, quel commentaire est-ce que vous faites par rapport à tout ce qu'il a dit le président? Alors, pour moi, personnellement, moi, je pense que ce discours et cette démarche-là me gênent déjà. Ah, pourquoi? Le fait que le président dise à Ndika et à Jonathan Bamba qu'ils font partie du commando, pour ma part, c'est Jean-Louis Gasset qui doit prendre des décisions. Et comme ça se fait là, c'est comme si eux, ils avaient déjà des impasses droits, qu'ils étaient déjà sélectionnés pour la CAN, quel que soit ce qui va arriver. Je pense que ce sont des choses qui sont arrivées hier, qui n'ont pas permis à la Côte d'Ivoire de performer. Ça s'est passé avec Wilfried Zaha, ça s'est passé avec plusieurs autres joueurs qui avaient été, je ne sais pas sélectionnés, mais qui avaient été recrutés, en guillemets, par Feu Sidi Diallo pour l'équipe nationale. Et les choses ne s'étaient pas très bien passées. Donc, moi, à ce niveau-là, on aurait pu se limiter au discours de bienvenue, de félicitations, d'avoir, en tout cas, merci d'avoir choisi, en tout cas, le drapeau ivoirien. Et le reste du discours devait appartenir à Jean-Louis Gasset. Voilà. D'accord. Vous êtes d'accord avec les propos de Patrick Guité? Non, j'ai une appréciation un peu différente quand même, parce que le président les reçoit après la sélection de l'entraîneur Gasset. Ça veut dire que pour ce match-là, pour le moment où il les reçoit, ils font partie de l'équipe. Donc pour moi, en ce moment, le discours du président est légitime. Et pourquoi il est légitime? Parce que vous savez très bien que c'est un gros challenge que ces garçons-là prennent. Ils ont énormément de pression et, comme il a dit, c'est des joueurs qui sont pratiquement à un moment où ils flambent pratiquement en équipe. Donc, ce sont des joueurs qui sont très courtisés. Et donc, c'est un choix difficile qu'ils font. On a vu d'autres qui ne sont pas venus. Donc, quand ces jeunes-là prennent le courage et viennent à l'équipe nationale, à un moment, il faut pouvoir les honorer. Il faut pouvoir les dire merci aussi, bravo. Ça ne garantit pas qu'ils seront dans la liste définitive. Mais au moment où ils parlent, ces garçons-là sont là. Ils sont présents, ils sont venus à Abidjan justement pour l'équipe nationale. Donc au moment où le président parle, je pense que c'est légitime, je pense que c'est normal, il faut les motiver. Maintenant derrière, où j'ai peut-être un peu de gêne, c'est quand il dit que les tests sont finis. Voilà, en ce moment-là, je pense que la forme n'est pas bonne. Ce n'est pas à lui de dire que les tests sont finis. C'est à l'entraîneur national de décider quand il veut arrêter ses tests ou pas, quand il veut les continuer jusqu'à la veille même de la compétition. C'est le problème de l'entraîneur. Ce n'est pas au président de décréter que les tests sont finis. Là, il sort de son rôle. Voilà, c'est là où je suis un peu gêné. D'accord. Ouais, bon, en fait, je vais rebondir pour dire que vous avez connu Joris Gnagnon, qui est arrivé et qui est parti en queue de poisson parce que, justement, une place de titulaire, parce que ce genre de discours-là avait été tenu. Et lui, et pour lui, il avait une place de titulaire assurée avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il n'a d'ailleurs jamais joué et il est parti en jetant le maillot national. Je suis d'accord avec, par contre, Eric, qui dit que ce n'est pas le rôle du président de la fédération de dire que les tests sont terminés. Les tests peuvent se faire jusqu'à la veille de la CAN. C'est lui qui est en train de monter son équipe. Maintenant, après, est-ce que le président a eu un discours avec Jean-Louis Gasset qui lui a dit « Moi, en tant que Jean-Louis Gasset, mes tests prennent fin donc au lendemain du match face à la Zambie ». Ça, c'est un autre discours et ce sera au président de nous éclairer. Mais en tout cas, il faut laisser. C'est vrai que le président de la fédération a une part de responsabilité dans la gestion de l'équipe nationale, mais au niveau technique, il faut laisser la responsabilité à Jean-Louis Gasset de prendre ses décisions pour être comptable de ce qui va se passer au niveau sportif. Oui, parce qu'il faut éviter, si vous permettez. Oui, il faut éviter de tomber dans l'émotion, surtout dans la pression du public ivoirien. L'entraîneur, il fait son boulot, il sait regarder la période où nous sommes. Imaginez, il avait déjà une équipe type. Là, c'est pratiquement les vacances. Il n'y a aucune garantie de retrouver ces joueurs-là en pleine forme après. Et il y a les championnats qui vont reprendre. C'est pour dire que souvent, il faut tempérer les choses, laisser l'entraîneur faire son boulot. Et puis, évidemment, comme Djeté l'a dit,
pas que le staff dirigeant hein, s'implique vraiment dans ce genre. La communication, là, il faut faire attention. Parce que ces derniers temps, la communication de la fédération laisse un peu à désirer. Je pense qu'il faut travailler mieux en termes de communication, même en termes de marketing. Mm-hmm. Beaucoup de choses qui ne vont pas dans le bon sens. D'accord, très bien. Bon, ben voilà, en tout cas, c'était les présidents, hein, les propos pardon, du président de la fédération ivoirienne de football. Alors, je voudrais qu'on termine cette deuxième partie hein, de notre émission avec des nouvelles de nos ambassadeurs. C'est dans le Thermopro d'Armel Yao et Marco Seri. Le marché des transferts est ouvert depuis quelques jours. Quels sont les mouvements des pros ivoiriens? Thermopro règle son horloge à l'heure du mercato. Débutons par la Serbie avec Jean-Philippe Crasso. L'attaquant ivoirien s'est engagé avec l'Étoile Rouge de Belgrade, auteur de 21 buts et 14 passes décisives en 50 matchs sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne. Crasso a paraffé un contrat de 3 ans avec le champion de la Superliga, le championnat de première division de Serbie. Envolons-nous maintenant pour la Belgique, où Yaya Touré a rejoint le staff technique du Standard de Liège comme entraîneur adjoint. L'ancien capitaine des éléphants continue de faire ses armes avant le grand saut. Escale en Allemagne. Après une belle saison avec l'Eintracht Francfort, Evan Ndika s'est engagé avec l'AS Roma pour les 5 prochaines saisons. Le néo-éléphant va porter le maillot floqué du numéro 5 chez les Romains. Posons-nous à présent en Angleterre, précisément à Manchester. Rendons-nous à 262 km plus loin, à Londres. Après le rachat de Strasbourg par les dirigeants de Chelsea, Datro Fofana, en manque de temps de jeu avec les Blues, pourrait rejoindre l'effectif du club français la saison prochaine. On sera situé dans les jours à venir. Toujours à Londres, mais cette fois-ci à Crystal Palace. Auteur d'une belle saison, Wilfried Zaha est convoité par la Lazio de Rome. Le club italien a entamé les négociations. Un peu plus loin, à 61 km, Yacou Meïté fait ses adieux à Reading. Arrivé au club en 2017, l'international ivoirien doit trouver un autre point de chute pour la suite de sa carrière. Les dirigeants de Reading n'ont pas souhaité prolonger le contrat de Yacou, qui se retrouve donc sur le marché. Et une info hein, de dernière minute qui est tombée il n'y a pas très longtemps, donc concernant Seko Fofana. Hein, il semblerait que Seko Fofana se soit mis d'accord avec le club saoudien d'Al Nasser. Le directeur sportif doit se rendre donc à Lens. Lens qui voudrait 40 millions d'euros hein, pour libérer Seko Fofana. Et ben, en cas de signature, il deviendrait le coéquipier hein, de Ghislain Conan, et Cristiano Ronaldo. Réaction. Bon, pour moi, je ne... Bonne nouvelle ou pas? Bon, pas bonne nouvelle pour moi. Pas du tout bonne nouvelle. Bon choix ou pas? Pas bon choix. Pour moi, non. Maintenant, après, ça dépend du cachet. Comme on l'a dit, aujourd'hui, les joueurs regardent beaucoup plus donc, le chèque. Et donc, quand on vous propose un chèque de 200 millions d'euros, etc., donc, vous ne pouvez pas dire non. Mm-hmm. Mais sportivement, non. Al Nassr ou le championnat saoudien n'est pas un championnat d'un très bon niveau. Donc, voilà, c'est comme s'il préparait déjà sa retraite, quoi. Donc, moi, je l'attendais à un tout autre niveau, que ce soit en Italie, un retour en Italie, ou même évoluer au PSG, ou même rester à Lens pour jouer la Ligue des Champions. Mm-hmm. Là, il a décidé... enfin, ce n'est pas encore fait, mais il est en train de partir. On est encore au conditionnel pour l'instant. Hein. Absolument. Mm-hmm. Donc, bon, voilà, on attend de voir. Mais sinon, pour moi, ce n'est pas un très bon choix au niveau sportif. Et vous, Eric mitigé, Babou? Mitigé, parce qu'à titre personnel, il faut reconnaître que c'est un très bon choix. C'est quoi, il a quoi, 29 ans hein? Pratiquement, il en fait une carrière. C'est le moment de remplir les caisses pour penser à demain. Donc, personnellement, pour lui, je pense que c'est un bon choix. Mm-hmm. Sportivement, comme il a dédité, je pense que ce n'est pas le meilleur choix possible. Je pense qu'il avait la possibilité de faire encore un gros transfert dans un grand club européen. Pourquoi pas jouer la Champions League avec Lens? Il y avait cette possibilité. Mais je pense que financièrement, on ne crache pas dessus. Mm. Hein. Vous auriez fait quoi, personnellement? À 29 ans, ouais. j'aurais fait comme Seko. Allez, Al Nassr. Évidemment. D'accord. Dès que je garantisse un peu. Et qui aurait fait autrement? C'est la belle question. Ah ben, pourtant, il y a tellement de bien-pensants hein, que.
Très souvent, quand on n'est pas confronté à ce genre de situation, on réfléchit très bien. Absolument. Mais quand on vous met devant le chèque à blanc, les pétrodollars, ça change beaucoup de choses. Oui. Bon, et bien voilà. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Juste après, eh bien, il y aura un entretien avec le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et puis on terminera avec un inside cyclisme ce soir. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant. Troisième partie de ce numéro de NCI Sport et on en a fini avec le football. On va maintenant passer au taekwondo. Le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, maître Jean-Marc Yassé, a accordé une interview à NCI Sport. Le boss du taekwondo ivoirien a fait l'état des lieux de cette discipline. Au micro d'Yves Boris Vey, Armel Yao, Hervé Kiesse et Moon au montage. Élu à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo en octobre 2022, Jean-Marc Yassé a accepté de se confier à NCI Sport pour faire le bilan de ses 9 premiers mois à la tête de cette fédération. On le rejoint pour cet entretien. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été élu le 15 octobre 2022 à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Quel bilan faites-vous ? Mais le bilan, j'espère, pour moi, est, je pense, assez positif, puisque nous avons réussi quand même à maintenir nos athlètes dans des conditions acceptables. Vous avez aujourd'hui Cissé Cheikh, qui était dans une catégorie de 81 kg, qui est passé à une catégorie de 87 kg, où beaucoup de personnes pensaient qu'il allait s'arrêter. Mais non, il a non seulement remporté la médaille d'or au Grand Prix, et il est aujourd'hui champion du monde avec la médaille d'or de 87 kilos. Il ne fait que progresser depuis un bout de temps et nous lui souhaitons bonne chance. Après votre élection, vous avez mis un vœu qu'il y ait la paix au sein de la famille de la Fédération de taekwondo. Vous avez intégré Maître Junon et Maître Patrick Remac dans votre comité directeur. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec ces actes que vous avez posés, il y a eu la paix des braves? Bon, quand vous dites paix des braves, c'est trop grand. Moi, je n'avais pas de problème avec quelqu'un. Je suis venu, j'ai demandé à tout le monde de se mettre à la disposition du taekwondo et de la fédération. Et par la grâce de Dieu, tout le monde réagit positivement. Et nous sommes en train de tous œuvrer pour l'épanouissement du taekwondo, non seulement en Côte d'Ivoire, dans l'Afrique et au niveau international. Lors de la campagne électorale, vos détracteurs estimaient que vos occupations allaient vous empêcher d'être, j'ai envie de dire, bon à la tête de cette fédération. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Mais tout est une question d'organisation. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas assis tous les jours, 24 heures sur 24, à leur poste, mais de façon stratégique, qui arrivent à orienter et organiser. Il ne faut pas dire seulement, bon, je suis. Nous ne sommes rien. Nous sommes tous poussière, on va devenir poussière, mais il faut savoir s'entourer de personnes compétentes, valables et prêtes à travailler. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des gens qui sont prêts à travailler. Vous allez voir au niveau de la communication qui avance. Vous allez voir au niveau des entraînements, le maintien de nos athlètes au niveau non seulement sous-régional, mais aussi au niveau international. Ça va. Maître Bamba Cheikh Daniel a fait un travail remarquable à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Est-ce que ça a été facile pour vous de succéder à ce grand monsieur? Effectivement, il a fait du bon travail. Et j'étais aussi avec lui dans son dernier mandat. Je suis présent et nous l'avons accompagné et je pense que j'ai ma part à jouer, j'ai mon plus à apporter au niveau du taekwondo en innovant. Vous allez voir, les innovations ont commencé. Au niveau des championnats, on a pris des championnats, ce qu'on ne faisait pas au départ, inter-sociétés qui vont commencer. Nous avons des championnats intercommunaux. Nous avons les PUMC qui ont commencé à venir, ce qui n'était pas avant et qui permettront aussi à nos athlètes de sortir pour aller combattre. Nous avons tous ces challenges-là que nous sommes en train de relever avec beaucoup d'innovation. Tout à l'heure, vous parliez de Cissé Cheikh Salah. Quel commentaire faites-vous de sa victoire au championnat du monde? Mais écoutez, ça a été une très, très belle victoire. Lui et puis Ruth aussi, qui a très, très bien combattu. Je vois qu'au fur et à mesure, il progresse. Nous avons deux personnes qui vont nous, par la grâce de Dieu, nous amener de belles médailles pour les Jeux Olympiques 2024. Nous lui souhaitons bonne chance de continuer à s'entraîner. Nous allons faire en sorte qu'il puisse continuer à faire des tournois. Et aussi d'autres athlètes qui sont dans les pipes. Vous avez Issa Diakité, vous avez le jeune Aaron, vous avez notre fille Ama. Bon, il y en a.
Et notre souhait pour la fédération, c'est d'avoir au moins 4 à 6 athlètes. C'est Dieu qui nous dira le reste. Combien de médailles vous promettez aux Ivoiriens pour les JO de Paris 2024? Bon, déjà, je pense que 2, c'est sûr. J'espère au moins avoir 4. Je parle de l'or. Mais pourquoi pas? Oui. J'espère avoir au moins 4. 4 médailles. Oui. Mais écoutez, on y va. Au plan financier, les moyens sont-ils réunis pour permettre à nos athlètes de se promener dans de bonnes conditions pour aller à ces compétitions? Oui, l'État apporte sa part au niveau du financement et déplacement de nos athlètes. Et aussi, nous avons plusieurs sociétés privées qui participent à ces compétitions ou participent au financement de la formation, des déplacements de nos athlètes. Nous remercions toutes ces sociétés qui sont avec nous, qui sont à nos côtés et qui comptent et qui espèrent et qui ont confiance à la Fédération ivoirienne de taekwondo et qui nous permettent d'aller de l'avant et de faire ressortir le taekwondo, de faire sortir les Ivoiriens au niveau international. En ce qui concerne les licenciés au niveau du taekwondo, on en a combien aujourd'hui? Merci. Aujourd'hui, nous avons quand même plus de 50 000 licenciés au niveau de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et ces 50 000, je ne vous cache pas qu'ils sont bien assurés avec leur passeport prouvant qu'ils sont des taekwondoïnes. Et aujourd'hui, le taekwondo ivoirien, la Fédération ivoirienne de taekwondo, a signé avec le Kukyuan, ce qui nous permettra non plus d'envoyer forcément nos athlètes au niveau de la Corée pour être formés, mais puisque nous avons un grand maître ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le grand maître Tsiaka, qui est le premier ceinture noire, 9e dan en Afrique, nous avons la possibilité de travailler avec lui aujourd'hui, qui a la confiance du Kukyuan, et nous pouvons former nos athlètes au niveau du Kukyuan en Côte d'Ivoire. Alors nous sommes au terme de cette entrevue. Monsieur le Président, quel est votre mot de fin? Mais mon mot de fin, je demande aux athlètes de ne pas avoir la grosse tête. Même s'ils deviennent des champions internationaux, ils doivent garder une seule chose en tête. Rester constant. Le respect des règles, le respect du pays, et de savoir que toute la Côte d'Ivoire et leurs jeunes frères les regardent. Je leur souhaite bonne chance, qu'ils continuent à pratiquer leur sport, le taekwondo, comme nous le souhaitons, et puis que 2024, nous puissions avoir au moins 4 médailles, dont 3 d'or, puisque vous voulez quand même qu'on diminue un peu. Merci. Très sympa, hein, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Jean-Marc Yassé. Ben, merci en tout cas à lui pour sa disponibilité. Allez, on va terminer avec le dernier élément de la soirée. La 34e édition du Tour de l'Est a pris fin la semaine dernière. Et une équipe de NCI Sport a suivi quelques étapes pour vous. Yves-Boris Vert, Hervé Kiesse et Marco Seri nous plongent au cœur du safari de la Petite Reine. Salut à tous, nous sommes à la 34e édition du Tour de l'Est international. Nous sommes à l'étape Bounad de Repos et NCI Sport vous plonge au cœur de la Petite Reine pour vous offrir les coulisses et les temps forts de cette compétition. Are you ready? Top, c'est parti! La particularité, c'est une course en ligne, Bounad de Repos, 114 km, avec arrivée en sprint, arrivée composée des trois premiers. Donc ils ont par contre peut-être 1h30 comme ça. Le coureur qui peut gagner, c'est celui qui actuellement qui a le maillot jaune, NCI. Voilà. Quand on commence à pédaler, on ne court plus à pied, tu vois pourquoi? Parce que tu blesses les muscles. Voilà. Le temps que ça va se cicatriser là, tu as mal. Voilà, il faut mouiller. Hein? Comment ça va passer? Ouais, comment ça va passer maintenant? Moi, ça va pas trop, ça ira. On a été très heureux
de voir ces coureurs-là participer à nos zones, c'est-à-dire que de Bouna à Doropo. Vraiment, ça a été une joie pour toutes les populations réunies. Et moi, personnellement, je vais vous faire une confidence. J'ai quitté Bouna pour Doropo parce que j'ai raté l'étape de Bouna. C'est une première fois que j'assiste à cela. Et vraiment, j'ai été très contente. On a fait de notre mieux parce que c'est l'équipe qui est là. Quoi. C'est pas facile parce que c'est ma première course. Quand l'échappée est partie, on s'est mis à rouler moi et mon équipe, mais les autres ne voulaient pas. C'est nous seulement, on s'est mis à faire tout le boulot depuis le début. Personne ne veut rouler avec nous. Sur une distance de 107 km, le grand vainqueur de l'étape Bouna Doropo est Abou Sanogo de l'ASOA. J'étais très content pour cette étape. Il a décidé de partir en échappée. Et maintenant, en échappée avec trois, deux de mes coureurs, on a roulé. J'étais très content pour cette étape. Une victoire qui place en pole position cette équipe de la SOA pour remporter la 34e édition du Tour de l'Est international. Prochain rendez-vous dimanche 18 juin pour la dernière étape à Bandoukou. Nous sommes à Bandoukou ce dimanche 18 juin pour la dernière étape de la 34e édition du Tour de l'Est international. Une dernière étape qui s'étend sur une distance de 16 km à parcourir 7 fois. Mais avant le début de cette course, on va rendre visite aux coureurs à leur QG pour savoir comment ils se préparent pour cette dernière étape. Eh bien, suivez-nous. C'est ma route qui est en train de faire un jeu depuis hier. Donc je suis en train de voir ça ce matin avant le départ. Moi. Boule, 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 yeah. Tabou. À fond. Mais on est presque à la fin. Là. Ça, on va tout donner. Et les autres là, ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts, ils sont pas préparés. C'est lui. Moi, c'est le kiné de l'équipe. Quoi. C'est le soir après l'effort. Pour qu'on diminue les douleurs, les sangs qui sont accumulés, pour être pressé au matin, quoi. Après avoir porté le cuissard, on porte le maillot. Il y a le casque que tu dois porter pour te protéger. Le casque, c'est très, 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 très important parce que c'est pour la sécurité. Et après, le ravitaillement, c'est des choses qu'on mange sur le vélo. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé les poches, les petites poches dans les maillots. C'est des aliments énergétiques. Tu dois manger, quand la course est longue, au moins chaque 20 à 30 minutes. Puis consommer aussi de l'eau. L'eau, il faut au moins chaque 20 minutes, il faut en boire un peu. Et la chaussure qu'on va porter en porte pour le vélo parce que c'est pas n'importe quelle chaussure. Il y en a d'autres qui sont faits à la laine, il y en a d'autres qui sont faits en carbone et tout. J'ai mon vélo. Arrivé au départ, le mécanicien il met ma goutte. Puis bon voilà. Justement, je suis déjà prêt comme ça pour. L'ambadon, si tu la mets en panne, c'est le dérailleur. Sans ça, le vélo ne peut pas bouger. Une chute causée par un autre athlète qui a fait chuter son ami. Donc on a essayé de faire le petit pansement. Comme c'est souvent des petites égratignures, on a essayé de faire le petit pansement. Il est soulagé. Mais comme il n'arrive plus à continuer, il a dû arrêter. Il y a un coureur de Renaissance qui a perdu toute sa place. Donc il m'a dit, il a pris sa roue, il m'a dit de quitter toute sa roue. Il a dit non, il ne quitte pas. Et puis c'est là qu'il m'a poussé, il s'est tombé. Yoko Dabiro, Yoko Dabiro. Eh bien, c'est la fin de la 34e édition du Tour de l'Est international qui a vu la victoire de Cissé Issiaka de la société Omnisport de l'armée. Vraiment, on voulait vraiment marquer notre empreinte sur cette 34e édition et ça n'a pas été facile au début, mais après tout est rentré en ordre avec mes coéquipiers hein, qui ont beaucoup travaillé. Eh ben voilà, en tout cas, magnifiques images. Hein. Merci beaucoup à toute l'équipe parce que on a aimé vivre cette course de l'intérieur. Eh ben voilà, c'est la fin de ce numéro de NCI Sport. Merci beaucoup Éric Babou, merci Patrick Guité, merci également à vous d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. Prochain rendez-vous, eh ben ce sera lundi prochain, oui, pour une nouvelle émission. D'ici là, excellente semaine à tous et comme d'habitude, on se quitte avec des prolongations. Allez, ciao ciao.